En campagne se poursuit, comme je vous l'ai dit, notre invité actuel nous vient de la circonscription électorale de la Founa. Il est au numéro 663. Exactement. Non, bah 666, ça va. Oh, ouais. Non, c'est 663. Yes. Il se nomme Mayo Biémé Elvis, candidat député national Founa. Candidat UDPS Tshisekedi, bref, Maître Elvis Mayo, bonjour. Bonjour, Monsieur Thierry. Vous allez bien ? Très bien. Alors, nous sommes à 2 jours de la fin de la campagne électorale. Exactement. Que vous avez battu, j'espère. Oui, j'ai battu campagne dans toutes les communes de la Founa, les 7 communes. Alors, Maître Elvis Mayo, Azainani. Maître Elvis Mayo a continué la politique Nengenini. Okay. Et pour la Nini, Maître Elvis Mayo Azali, candidat député national Nafuna. Ok, merci pour la motuna. Bon, Maître Elvis Mayo a joué ma candidature à la politique Utakala. Dès que Nazara qui déjà na 6e des humanités, Nazara qui décision en a à la politique. Yangwano komona na outé qui na maths physique, mais na kende à la baïti di a droit. Donc Nengen Nazaboué, Nazara diplômé en droit. J'ai une licence de l'UNIKIN, na master aussi en banque et finance, naza expert financier, naza travaillé comme avocat, ça fait dans 2 mois je crois ça fera 18 ans que je suis avocat. J'ai travaillé dans une institution bancaire, dans les secteurs des finances et en politique. Je suis membre de l'UDPS. Je suis dans les cabinets de la présidence du parti, qui, comme vous le savez, est actuellement dirigé par le secrétaire général. Oui, alors, pourquoi vous êtes candidat député national à la Founa ? Je suis candidat député national. Ah, français Mingité. Pour la Founa, donc là, naza na katia politique, na lingi, ngai pe, na ba formation, pe na expérience, ou nga naza na yango, na ba domaine ebele, que ça soit na domaine ya presse, ya droit, ya politique, ya économie, finance, fiscalité, pour na sali na makambo wana nyonso, na lingi na apporté expertise na nga wana na katia na assemblée, par les contrôles parlementaires, par la rédaction des textes de loi et autres comme ça na ko mema apport na ngai pour le bien de toute la nation. Apport ango ekozala na spécificité nini par rapport à Oezo Salama déjà. Tu as dit que ba législature eleki et produire ba texte ebele et traiter surtout sur le plan à généralité et traiter ebele mais ngai na ko mema touche na ngai na ba domaine ebele na ko ko pesa exemple local là. Nalingi révolution culturelle moko et salama ya makasi notamment par la production d'une loi sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique parce que nayebi ke à travers des connaissances oyo surtout la jeunesse et koki kozwa par des lectures s'il y a des bibliothèques partout dans un niveau communal ou intercommunal, dans 5-10 ans, il y aura une grande révolution culturelle à travers ces connaissances-là qui vont rendre la jeunesse congolaise décomplexée de tout l'extérieur du pays. Par exemple, il y a aussi dans les domaines de l'industrie, on a occupé ou apporté une proposition de loi par rapport à l'industrie verte. Comme Ndenge Boyebi, la transition écologique n'est toujours qu'endé, le développement industriel et tout. Comment concilier les deux? Je peux apporter aussi ma touche là. Et ça, dans le domaine ébélé, par exemple, dans les domaines financiers ou bancaires, il y a une proposition sur l'observatoire
de l'inclusion bancaire. Ils allaient bien, mais c'est terrible. Nakoya ko bimsenyo sawa. Voilà, voilà. Il y en a tellement beaucoup. Donc, aux Okanarome, ma mingi. Ebele, parce que na travaillé peu déjà, na kati assemblée, na ba député ebele, banda 2010, tilelo, na travaillé. Donc, je sais comment ça se passe. Je connais bien la machine parlementaire. Maître Elvis Mayo, candidat numéro 663, circonscription électorale Funa, Awana Kinshasa. Alors, campagne électorale, il est kindengeni. Campagne électorale, c'est lourd, déjà difficile na terrain. Pour l'expérience, non, il y a Liboso. Pour l'expérience, où il y a kindengeni qui tient na terrain. Par exemple, le lobby, Nazala qui na activité moko ya carnaval. Sur une très longue distance, j'ai vu la population. Des fois, on s'arrêtait, on posait des questions. J'ai été dans plusieurs quartiers, à Bumbu, à Selembao, à Ngiringiri, Kalamu et autres. Na yoki ndenge, population Zoloba. Bah, problème mingi mingi au na yoki kuna. Bah, Zoloba, problème, il y a chômage des jeunes. Wana ba beti nango, c'était mingi na Bumbu. Na Selembao, il y a un chômage, gestion, il y a des déchets, des poubelles, tout ça, dégradation, il y a des chaussées. Na Selembao plutôt, balobi même que bazaka na Wenzete. Donc Wenzete baloba ka Wenza Selembao, il y a bangote. Ba problème, il faut qu'on résoudre pour na bango. Problème, il y a des certes d'énergie. Bon, comme on le sait, c'est un peu partout à Kinshasa. En gros, c'est ça les problèmes aussi. Il y a des quartiers aussi qui sont isolés, comme les quartiers où j'étais à Kinga Camping. C'est vraiment isolé du reste. Donc, en gros, c'était ça. Voilà, maintenant, campagne Yango Ndenge, les Kindengo Lobio qui tient partout, Naba Komine Nyo sur Funa. Est-ce que message ou Yozo porté public, population, Ayambi Yango Malamu, et puis bah. Aux assure na minute to comme la veille à clôture à campagne que ba ko ça la geste ou yo senga ba ba ça la le 20 décembre pour nayo. Oui, merci Constant na zui feedback na zui pas na bango ezake balingi penza li sous souté ba tout o ba si ba leki na parlement wana constat vraiment na moni na population un peu partout balingi li sous souté balingi ba tout ya sika. Donc, tant que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, wana et là, je suis 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 là, je voter numéro 663. Je suis là, à part que Zalambala et Liboso, nous sommes les alliés, la formation nazui, l'expérience au Nga Nazanango, apport wana ya pluridisciplinarité wana, et que la solution est belle. Nakansa bino moko boko mona. Oda ba casquette est belle. Nazana ba casquette est belle. Nazala pe na presse le kola bino, vers les années 2003 à 2005. J'ai été dans la presse écrite, par exemple. Mm-hmm. J'ai fait des formations de sécurité et de l'armée. Je suis expert financier. j'ai fait un peu tout ça. Alors, je vais mettre tout ça au service du Parlement pour les biens de toute la nation. Bon, c'est vrai que bah, public, population, je vais bien sûr que bah, sika. Mais yo moko, tant qu'observateur et société, ma beni nyo moni na bao bazaki na Assemblée nationale ou yo faut changer tant ko yakuna. Na ba o aleki na moni eloko na sepela ki ba basal ba production et belé ya loi. Mais na moni il y avait pas eu trop ba sanctions qui suivent les contrôles parlementaires. Ba ko ici quand même ministre économie. Ça c'est juste un cas isolé, mais il y a eu beaucoup de cas comme ça. Même que ce soit au sein des entreprises publiques ou établissements publics, au sein du gouvernement un peu aussi, mais que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, il y avait
un peu de largesse. Renforcement du contrôle parlementaire. Yangwana parmi mission Nayo ça signé en tant que candidat député national. Si jamais bana afuna ba ponio olobeli ba premier bana afuna mais nini pende marqué au makasi nini nous okana ko porter davantage par rapport à la réalité au moni sur le terrain. Par rapport à la réalité au vraiment na ko tiana likolo likolo na nyonso. Ezali au naokaka mingi ya na Congo balobaka non pour na ko changer congolais il faut changement de mentalité iloko ya yambo wana na yokaka ngo mingi il faut ko changer mentalité yango na tong na bandaki ngana lobaki likambo ya révolution culturelle onga lingé salama awa au na lobi babeta cété sur la lecture babeta cété vraiment e bandana jeunesse qui est des bibliothèques partout. Pour nga na ko pesa exemple neti yangai moko, soki nga na zandenge na za lelo boye. En tout cas, c'est grâce à la lecture. Soki na zande na za c'est alors je voudrais que toute la jeunesse congolaise ou bazola na na sima, bazala sur ces traces là, que ce soit ya funa ou d'ailleurs, bazala na nzela wana ndeto kolonga à l'avenir. On en a vu dans d'autres pays comme la révolution culturelle s'est faite en Chine avec les Lin Piao, Mao et tout à la fin des années 60. On peut appliquer ici sous une autre forme et ça va aller. Maître Elvis Mayo, passe les alimingi dans le quartier Nabiso, dans la commune, Bisikanyo Sokei, Eza na Lingwala, Eza na Barumbu, na Gombe, na Munga, enfin, Kwana Lukunga, pardon, Eza na Bandal, Ngiringiri, Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, etc. Passe les alima Kasi. En tant que ceux qui opposent les députés, il y a Kinshasa. Un phénomène Kuluna ou Toki Makasi ou bino na régime na bino babi na bino beaucoup aussi ça on tête ou qui ça on pensate on reporte affaire wana ndengini et puis regarde na yo par rapport à ba ba ponamaki na Kinshasa ça à niveau national ça à niveau provincial par rapport à ba problème où ils ont miné ville à Kinshasa et ça ndengini par rapport il y a insécurité avec le phénomène Kuluna au niveau de la circonscription Nangaï ou bien ailleurs, les textes existent. Ils accoutent tout le monde des textes sur l'ordre public, concernant l'ordre public. En cette matière-là, existe. C'est juste qu'il faut une application rigoureuse. Il faut beaucoup de sérieux auprès des animateurs du secteur. Yangwana na lobby. Des sanctions. Les sanctions doivent suivre. Au niveau du Parlement, donc, ngai vraiment, n'a pas été accepté ma casse pour n'a pas responsable. Il y a police, ba autorité politico-administrative au niveau communal, municipal et autres. Baye ba na kolanda li kambouana. Et puis, n'a l'oba qui peut li kambouya chômage parce que ma kambouana est belé et zoya. Suite, il y a chômage parce que les jeunes sont en train de tourner les pouces dans les quartiers. Ils n'ont pas de boulot et tout. Et en gros, ils se retrouvent, beaucoup se retrouvent dans cet état-là. Parmi ma proposition de loi OOP, Nakomema P, proposition Moko sur le plein emploi. Pour Nakoyeba, pour éradiquer les Kambouana et le chômage au niveau des jeunes. Maître Elvis Mayo, candidat numéro 663, circonscription électorale. Funa Awana Kinshasa, candidat député national UDPS. Tshisekedi, alors, Bana ya Funa Bazaye Kolandayo, Selembao, Kalamu, Kasavubu, Bandalungwa, Ngiringiri, Emakala, Bazaye Kolandayo, Nangonga Oyo, Ponanini. Mercredi Oyo, le 20 décembre, Basengeli absolument Kopona, candidat numéro 663, Elvis Mayo. Ponanini Koponayo, et vous avez pona bango ko perdre tante, et puis ko kaba confiance na bango te na moto a rozong et la bango te to a rosa et la bango mala mosala bazo zelate. Non, et Sengeli bango ba pona ngai, pona ngai. Naye koluka manda wana ya député pona mbongo te. Na sala kananga déjà, na za avocat.
makantia politique na bandiango leloté na bandiango utakala na yé pona kusunga population azana besoin population ekende liboso na vandi na bango mingi na funa wana po na bandalungwa na sali 20 ans à Bandalungwa, na yebi comment la circonscription de Funa fonctionne. Je connais tous les coins et recoins. Donc, bango bape sangai espoir, bape sangai chance, na ko tika bango te, na ko zonge la ka toujours bango, pour na koyoka bango, pe ko appliquer au bango bazel na yango besoin. Donc, bana ya Bandalungwa, bana ya Kalamu, Kasavu, Bungiringir, etc. Boyoki, candidat Nabino, Elvis Mayo, candidat numéro 663 na circonscription électorale ya Funa, Asengi Nabino, toi, Ipsi Binoti, Nanini, Bosengeli, ko voteye mercredi Oyo. Maître Elvis Mayo, merci Mingi, Ndengo Leka qui na en campagne pour na repesa message na yo. Mayo Bieme Elvis, le devoir de bien faire. Yango wana moi une affiche côté Otier, CG côté Otier, candidat na yo. Bref, voilà. Salutations à Patrick Yala.